Vous pensez que MSL, c'était seulement pour la mission Mars Science Laboratory? Que nenni! C'est aussi pour le Mean Sea Level, qui n'est autre que le niveau moyen de la mer permettant d'avoir la position stable pour aller calculer des données topographiques juste comme l'altitude de nos montagnes favorites. Et justement, les nouvelles Serica 6190 MSL l'illustrent parfaitement avec trois nouveaux cadrans magnifiques, vous allez le voir. On va partir sous des latitudes peu communes. Aujourd'hui, j'espère que vous l'aurez compris, on va à nouveau parler de la magnifique Serica Fieldwatch référence 6190. Toutefois, comme je disais en introduction, on va introduire trois petites lettres qui sont MSL pour Mean Sea Level, ce qui correspond au niveau moyen de la mer qui est utilisé en fait comme données stables pour mesurer d'autres données, à la fois des données sous l'eau mais aussi des données en dehors de l'eau. C'est-à-dire, par exemple, dire qu'une montagne fait tant de mètres, ça on peut le faire grâce à la donnée stable du niveau moyen de la mer, ou en anglais Mean Sea Level ou MSL. Vous l'aurez compris, on va parler de topographie positive et donc de la montre de terrain ou la Fieldwatch Serica chronomètre 6190 qui vient cette année avec trois nouveaux cadrans de toute beauté, dont un cadran blanc qui va vous épater et rappeler aux aficionados de la marque, dont je fais partie, les premiers cadrans blancs en 2019 qu'on voyait sur les premières Serica 4512, donc du pur régal. Un petit repère dans le temps, souvenez-vous, on était en octobre 2023 et on assistait chez Serica au lancement du grand renouveau de la Fieldwatch, j'ai nommé la 6190, qui prenait le relais de la 4512, qui était la première montre lancée par Serica en 2019. Elle devenait alors Field Chronometer, donc une montre avec une certification chronomètre délivrée par le COSC. Évidemment, on avait aussi plein de refontes dans le design du boîtier comme des cadrans, mais ça, je vais vous en reparler juste après. Et surtout, on passait sur un calibre à remontage automatique. Donc voilà, beaucoup de nouveautés. C'était vraiment juste l'idée de la montre Field qu'on avait chez Serica, mais transportée dans une autre dimension. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir d'avoir trois nouveaux cadrans qui arrivent dans cette collection 6190. Mais avant de vous parler de ces nouveaux cadrans qui ne sont pas que des nouvelles couleurs, vous allez le voir, mais qui sont vraiment complètement refaits avec une nouvelle architecture et des petits détails sensiblement différents qu'on apprécie beaucoup, on va parler un peu du modèle Fieldwatch 6190. On retrouve le diamètre parfait de 37,7 mm pour une épaisseur avec le verre compris, donc l'épaisseur finalement quand on ne triche pas, de 10,4 mm. Malgré ces proportions qui sont contenues, on va retrouver une étanchéité à 20 bars, garantie par un fond vissé et une couronne vissée. Donc ça, voilà, on garde l'esprit de la montre de terrain, la Fieldwatch, avec une étanchéité assez importante, même si évidemment on ne parle pas de montre de plongée parce qu'il n'y a pas tous les détails de la montre de plongée comme la lunette tournante unidirectionnelle notamment. Mais voilà, on a une montre pour tous les jours, pour faire un peu ce qu'on veut, qu'on veut grimper des montagnes ou qu'on veuille un peu barboter dans l'eau. Mais la grande claque qu'on prenait quand on a découvert cette 6190 par rapport à la 4512 précédente, c'était surtout d'avoir des finitions différentes, davantage travaillées sur le boîtier, et ça, c'est vraiment que du plaisir, surtout si on pense au travail qui a été fait sur les chanfreins des cornes, donc alternant un brossé vertical et un poli qui court comme ça jusqu'à la couronne. C'est très joli, ça donne du dynamisme à la montre et c'était vraiment bienvenu. Pour rappel, dans la collection 6190, on découvrait trois cadrans. Le cadran California, vous le connaissez évidemment, je n'ai plus besoin de vous présenter, avec une séparation de chiffres romains et de chiffres arabes sur le même cadran. On avait aussi le cadran Denali et le cadran Commando. Denali, je vous rappelle, une montagne sympathique, 6190 mètres d'altitude. Le nom de la collection s'appelle 6190. J'espère que vous saurez faire les bons liens. Les trois nouveaux cadrans prennent le nom de leur couleur, à savoir un gris tempête, un noir, très simple, et un blanc polaire. Je vous avoue que ma grande préférence, mon cœur, va au cadran blanc polaire. Quand on a découvert Serica en 2019, et la première Serica que j'ai eue, c'était une 4512 avec un cadran blanc, qui est vite sorti des collections pour des raisons de production qui étaient un peu plus compliquées de mémoire. Et du coup, le fait de revoir un vrai cadran blanc de retour sur la Fieldwatch Serica, c'est une très bonne chose. C'était aussi une caractéristique qui était demandée par les porteurs de Serica et par de nombreuses personnes qui n'osaient pas encore rêver dans la marque parce qu'ils voulaient vraiment une montre Fieldwatch avec un cadran blanc. En tout cas, c'est chose faite désormais, mais ce n'est pas le seul détail qui compte sur ces cadrans.
Vous remarquerez, il n'y a pas d'index en chiffres, que ce soit romain ou arabe sur le 40. On a uniquement des index en applique avec à 3, 6 et 9 heures des petits rectangles et à midi le repère triangulaire. Pour tout le reste, ce sera des repères ronds, toujours en applique et surtout qui sont cerclés. C'est-à-dire que vous avez la petite partie illuminescente au centre et autour, vous avez un petit cerclage en acier. Pour moi, c'est un vrai joli détail, les index en applique, parce que ça donne du relief et du corps à la montre. On est quand même sur une field watch plutôt simple. Donc en fait, le fait de venir apporter des index déjà de différentes formes et en applique donc avec du relief, ça vient apporter au cadran un certain dynamisme. Vous remarquerez un léger détail que je n'avais pas vu au premier coup d'œil, surtout sur le cadran blanc. Vous avez à midi et à 6 heures des points luminescents, deux points à midi, un point à 6 heures, permettant ainsi de se repérer pour la partie haute et la partie basse du cadran. Sur ce cadran blanc, on a des aiguilles noires. Sur le cadran gris tempête, on a aussi des aiguilles noires. Et seulement sur le cadran noir, on va retrouver des aiguilles blanches. L'autre joli détail, c'est le fait d'avoir une seconde qui présente un petit point luminescent proche de son extrémité, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant sur des field watch série K. Il y a aussi un détail de lisibilité que j'aime beaucoup sur ces cadrans. Si vous remarquez, c'est le fait que ces index dont je vous parle, ces index en applique, ils sont reliés directement à la minuterie noire par un fin trait noir également. Ça permet à mon sens davantage de géométrie au sein du cadran et surtout davantage de lisibilité, d'organisation, parce que comme ça tout est scindé en 5 minutes et on peut prendre la mesure du temps plus rapidement, surtout quand on a un cadran aussi simple. Pour tout le reste, on a le plaisir évidemment de retrouver le fameux bracelet Bonclip avec maintenant la fermeture qui est signée série K sur les 3 déclinaisons de cadran. Donc ça, c'est que du bonheur. Et ces nouvelles 6190, donc noir, blanc polaire et gris tempête, elles sont proposées à partir d'aujourd'hui à la précommande pour une livraison au début du mois de juillet, juste avant de pouvoir aller barboter dans l'eau salée ou au contraire rejoindre des altitudes plus importantes pour ceux qui apprécieraient comme moi la montagne. Vous l'aurez compris, ces nouvelles 6190 avec leurs 3 nouveaux cadrans et leurs 3 nouveaux designs de cadrans, elles nous plaisent énormément. La seule chose que j'ai envie de faire, moi, c'est les amener à la montagne cet été pour en découdre. J'espère que vous en ferez de même. On vous aime, à bientôt, merci.